Salut la gang! Aujourd'hui, je vous présente le côté scientifique du collège. Je m'appelle Catherine et je suis en secondaire 5. Je m'appelle Aya et je suis en secondaire 5. Je m'appelle Alexis et je suis finissant. Je m'appelle Sophie et je suis en secondaire 5. Je m'appelle Mélodie et je suis en secondaire 3. Connaissance. Découverte. Logique. Partage. Passion. La passion que tout le monde a pour la science, les animaux, puis c'est ça vraiment qui unit notre groupe, puis qui fait le lien que tout le monde a ensemble, puis que ça forme un super beau groupe uni. C'est le fait qu'après 3 ans à être avec le même groupe, on crée une certaine complicité entre nous, puis on devient des amis à la fin des 3 ans. Parce qu'on peut créer nos propres univers. C'est que même si on a beaucoup de travail, on trouve toujours du temps pour communiquer ensemble, s'amuser et tisser des liens entre nous. Selon moi, la raison pour laquelle Sciences Bio c'est vraiment spécial, c'est vraiment parce qu'elle va permettre aux élèves de découvrir toutes les facettes du monde de la science en faisant des expérimentations, des dissections et même de l'art culinaire. Parce que moi, en secondaire 3, on a fait une dégustation de champignons et c'était d'ailleurs vraiment plaisant. Un moment marquant pour moi, c'était en secondaire 3, quand il y avait la visite d'une personne qui avait apporté des animaux. Puis elle avait apporté une tarentule meurtrière, puis moi, ben, j'ai une grande peur pour les araignées, puis j'ai vaincu ma peur en tenant cette immense tarentule. Donc pour moi, ça a vraiment été un moment marquant. Oui, en secondaire 4, on avait eu une dissection, puis on avait eu un calmar. Un de mes camarades de classe a pété le sac d'encre et en a reçu dans les yeux. Donc il a dû passer un bon 10 minutes sous la douche oculaire. Ça m'a bien fait rire. C'est le nombre call Discord. Oui, on avait fait du yogourt. C'est la première fois qu'on pouvait cuisiner dans un laboratoire, puis on avait fait fermenter du yogourt pour le manger après. En secondaire 3, on a fait le projet d'Expo Science et pour moi, ça a vraiment été marquant parce que j'ai pu apprendre vraiment, mais vraiment beaucoup de choses. Si t'aimes apprendre des nouvelles choses, que t'aimes les animaux, t'aimes les sciences, puis t'as un cœur solide, ben Sciences Bio est fait pour toi. Ben, si t'aimes la biologie et que t'aimes les sciences, puis que tu veux apprendre justement des nouvelles choses et pousser plus loin cet intérêt, et que tu veux aussi te créer des amis, la concentration Sciences Bio, c'est pour toi. Je dirais de se préparer à faire face à de très beaux défis. Ça peut avoir l'air difficile parce que c'est de la science, mais à la fin, toutes les connexions que tu vas avoir vont valoir beaucoup plus cher que tout ça. Donc, vas-y. Dans le fond, c'est sûr que Sciences Bio, comparativement à d'autres concentrations, ça peut être un peu plus difficile et un peu plus stressant. Mais de façon générale, le plaisir va être plus important que le stress. Donc, je trouve que si t'aimes vraiment la science, t'aimes vraiment manipuler des choses, juste vraiment go for it. Et Sciences Bio, c'est vraiment fait pour toi.